Salut les amis, ici Zack Storm, super pirate. Être un capitaine de navire, c'est du boulot. Et moi, jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais juste capitaine de ma planche de surf. Mais depuis que je suis tombé dans le triangle des Bermudes, j'ai mon bateau à moi, le Chaos, et tout un équipage avec. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Heureusement, à mes côtés, j'ai quelqu'un qui est une vraie navigatrice dans l'âme, Krista Coraline Lejeune. Mais bon, son nom est un peu long, alors moi je l'appelle Cécé. Cécé est une princesse atlante. Tu te souviens, je suis une atlante, donc quand je suis dans l'eau, je suis comme un poisson dans l'eau. Atlantis est une cité légendaire qui était cachée sous l'océan il y a des millénaires. Je pensais pas qu'elle existait pour de vrai. Mais ça, c'était avant de tomber dans le triangle des Bermudes. Et comme moi, Cécé s'est retrouvée perdue dans les sept mers et elle cherche à rentrer chez Comment elle. Comment on est censé trouver un truc ici? Quand je l'ai rencontrée, jamais j'aurais cru que c'était une princesse. Elle se bat, elle est rapide et coriace, une vraie guerrière. Elle tient tête à n'importe quel monstre comme si elle avait fait ça toute sa vie. Cécé connaît aussi très bien toute l'histoire des sept mers. Elle a lu tous les bouquins sur lesquels elle est tombée. Elle en sait plus que nous tous sur les créatures, les endroits et la magie qui règne partout ici. Mais surtout, c'est quand il faut piloter le chaos que Cécé est la meilleure. Que ce soit dans les tempêtes, dans le désert ou sur la lave, elle maîtrise parfaitement la navigation. Cécé m'apprend tous les jours ce que c'est que d'être un vrai chef d'équipage. Cécé, non! Et quand je fais n'importe quoi, c'est toujours la première à me mettre sur le droit chemin. Mon instinct d'Atlante ne me ment jamais. Un jour, on devra se séparer pour rentrer tous chez nous. Mais en attendant, on va vivre plein d'aventures tous ensemble. C'était à mourir de rire.